Les verrues cutanées sont fréquentes et concernent dans la plupart des pays européens un individu sur quatre, 26%, en particulier les enfants de 5 à 15 ans, puisque l'on considère que 50 à 70% d'entre eux développeront des verrues vulgaires et 20 à 30% des verrues plantaires. Leur incidence décline au-delà de 15 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans pour augmenter à nouveau après 25 ans. Même si elles touchent principalement les enfants, elles ne sont toutefois pas exceptionnelles chez l'adulte. Les verrues se rencontrent également fréquemment chez les sujets immunodéprimés, en particulier les sujets ayant subi une greffe du rein en raison des traitements immunosuppresseurs nécessaires à la greffe. Un bilan immunitaire comportant la numération des globules blancs ou leucocytes et une sérologie VIH peuvent être parfois prescrits lors de l'apparition de verrues multiples très profuses chez un adulte a priori sain.